Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Les gars, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement. La base, les gars, être libre. Si jamais tu veux partir en vacances, tu veux être à Miami, tu veux ce que tu veux. Et après, d'être indépendant financièrement. Si j'ai réussi à le faire, ben, tout le monde peut le faire. Okay? J'ai grandi à Évry en 91, aux Pyramides, dans un quartier en banlieue. D'accord? J'ai redoublé mon BEP. Donc les gars, arrêtez vos excuses, hein, et passez à l'action. Si tu veux aller plus loin, tu as tout en description. Donc passons directement au sujet de la vidéo. 1 million d'euros sur mon compte, jamais tu verras ça. Tu verras jamais ça. Okay? Donc je sais que les gens te disent, mais attends, comment ça, je croyais que comment c'est possible. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en fait être millionnaires et se disent, ouais, moi, il faut que j'ai 1 million d'euros sous mon compte en banque personnelle. Okay? C'est possible à la limite quand tu fais des millions et des millions par mois, tu vois, je ne sais pas, que tu aies 1 million sur ton compte société. À la limite, ton compte société, mais ton compte perso, c'est impossible que tu aies 1 million d'euros par mois, que tu aies 1 million d'euros sur ton compte en banque. Ok, tout simplement, pas parce que c'est pas possible. Hein. Enfin, je te dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible si jamais tu es intelligent financièrement et si jamais tu as généré autant de cash. Normalement, il y a de grandes chances que tu sois intelligent financièrement, à moins que ce soit par hasard, par le loto, ou à moins que tu n'aies pas le temps de. Tu étais un sportif de haut niveau comme les gens de la NBA ou certains footballeurs qui font faillite parce qu'ils n'ont pas été intelligents financièrement, ils n'ont pas été éduqués pour pouvoir générer ce cash-là. C'est juste qu'ils ont des gros revenus. Pourquoi moi, tu ne verras jamais 1 million d'euros sur mon compte en banque? Tout simplement que il suffit juste d'avoir lu un livre, Père riche, père pauvre. Si tu as lu Père riche, père pauvre, tu as compris que première chose qu'il faut faire, c'est mettre de l'argent de côté. Okay. Maintenant, l'argent de côté, quand tu le mets, c'est pour pouvoir faire quoi? Deuxième étape, acheter des actifs. Okay. Des actifs, c'est quoi? C'est ou investir dans l'immobilier, ou investir dans la bourse, ou acheter des entreprises, ou créer, ou investir dans ton entreprise. Okay. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, une fois que tu achètes des actifs, eh ben, tes actifs te rapportent des revenus. Okay. Et ces revenus-là, eh ben après, tu les réinvestis pareil, tu mets de côté pour pouvoir acheter encore des actifs ou investir dans des actifs. Donc en fait, c'est un cercle vertueux, ça ne s'arrête jamais. Okay? Donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs. Donc les passifs, ben, c'est tout ce qui est crédit, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent. Et actif, c'est tout ce qui te fait gagner de l'argent. C'est pour ça que la maison, ta maison principale par exemple, la croyance populaire dit que c'est un actif, que c'est un investissement, mais c'est pas du tout un investissement. Quand tu achètes une maison, bah, tu perds de l'argent. Donc dès que quelque chose te fait perdre de l'argent, c'est un passif. C'est aussi simple que ça. Okay? Parce que tu as les impôts locaux, enfin je sais même plus ce que tu as, quoi, taxes foncières, plus tu dois refaire la maison, enfin, ça te coûte de l'argent d'avoir une maison. Tout simplement, enfin ta résidence principale. Okay. Donc, tout simplement, pourquoi moi, tu verras jamais 1 million d'euros sur mon compte? Parce qu'il sera toujours placé. Il sera toujours placé dans un actif. Et tous les riches, eh ben, ont leur argent placé dans leur actif. Ils n'ont pas 1 million sur leur compte. Mark Zuckerberg n'a pas 1 million sur son compte perso pour pouvoir l'utiliser. C'est son entreprise qui est valorisée à tant et tant de milliards même maintenant. Okay. Et pareil pour tous les riches que tu connais. Ils n'ont pas 1 million ou des milliards sur leur compte. Tu sais, il va falloir qu'ils vendent leur actif. Que ce soit si c'est des parts de la société, il va falloir qu'ils vendent leurs parts de société pour pouvoir récupérer l'argent directement. Mais ils n'ont pas de l'argent comme ça qui dort sur un compte qui ne sert à rien, tu vois, sur un compte perso ou un compte société, tu vois. Société, bon, s'il y a beaucoup de flux qui rentrent, voilà, les gars sont milliardaires, donc il peut y avoir beaucoup d'argent qui rentre, mais ça va vite être redispatché sur des actifs. Clairement, que ce soit même dans le marketing de l'entreprise, enfin, donc ils réinvestissent dans leur actif, dans leur entreprise, dans leur business, ou que ce soit dans de l'immobilier, dans du trading, mais en tout cas, l'argent ne sera jamais resté, ne reste jamais stocké à un endroit. D'accord? L'argent, en fait, si jamais il ne bouge pas, il n'a aucune valeur. S'il est sur un compte en banque et qu'il est juste comme ça sur un compte en banque, il n'a aucune valeur. L'argent a de la valeur à partir du moment où il circule. Et il faut absolument le faire circuler dans des actifs pour que ça puisse faire grossir, faire travailler l'argent. Afin que tu ne travailles plus pour l'argent, mais que ce soit l'argent qui travaille pour toi. Et c'est à ce stade-là que toi, tu vas arriver. Tu vas arriver au stade où c'est l'argent qui travaille pour toi. Et là, tu es libre, tu vois. Et vraiment dans le premier sens du terme, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, les gens sont esclaves de l'argent. Tous les jours, tu dois te lever le matin, prendre le métro et aller au travail. Pourquoi? Parce que c'est l'argent ton maître. Si jamais tu ne te lèves pas, tu n'as pas d'argent,
tu obéis à l'argent, tu n'as pas le choix. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc l'idée, c'est que tu puisses vraiment suivre ces trois étapes-là, qui est de mettre de côté, investir dans les actifs et pouvoir utiliser l'argent des actifs pour pouvoir être libre et pour pouvoir vivre ta vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, bah, jamais tu verras 1 million d'euros sur mon compte, parce que ce million d'euros, il sera toujours où dans l'immobilier, ou il sera passé sur un compte titre ou en bourse, ou ce sera en action, ou ce sera je rachète une entreprise, mais tu verras jamais 1 million d'euros comme ça en train de dormir sur mon compte en banque, et je te le souhaite aussi. Ok, donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu as aimé cette vidéo. Ok, le j'aime pas, c'est pour les rageux, évidemment, tu connais déjà la chanson. Voilà, dis-moi si jamais tu aimes bien ce genre de vidéo, mets-moi ça en commentaire et j'en ferai un peu plus par rapport à ça, sur ce que je pense, sur ce que moi je ferai. Donc si jamais tu es intéressé par la création d'un business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien dans la description, d'accord, ou dans les commentaires, ça dépend. Tu vas trouver si tu es motivé pour pouvoir créer ton business en ligne. Aujourd'hui, le business en ligne, il est partout. Okay? Même Will Smith, il a son business en ligne. À chaque fois, je le cite parce que je sais que tu le connais. Okay? Même Will Smith, il est venu sur YouTube il y a 1 an, 2 ans et il a lancé aussi sur Instagram. Okay? C'est pas pour rien, les gars. C'est pas pour juste être... c'est du business. Tous les gens qui sont sur un réseau social et qui n'ont pas de business, c'est juste du voyeurisme. Okay? C'est du business. Okay? C'est le réseau social, les réseaux sociaux, ce sont des business. Les gens qui ont une page, c'est pour faire du business. Si tu ne veux pas de business, il y a un problème, les gars. Il faut te poser des questions, ok? Donc, je t'explique tout ça dans la formation, que tu n'aies pas d'idée business ou que tu sais pas exactement, tu ne connais rien du tout sur Internet, marketing digital, etc. Je t'explique tout de A à Z, comment faire, ok? Donc, c'est offert, les gars. Allez-y, évidemment, les gars, qu'après, je vais vous proposer une formation qui est vraiment complète où je vous explique exactement étape par étape pour pouvoir aller beaucoup plus loin et avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Ok, mais déjà, juste avec la formation offerte, tu auras de quoi faire, tu pourras déjà avoir des premiers résultats. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans l'immobilier, dans le trading, d'accord, tu es bon dans ça, tu es bon sur le marketing digital, tout ce qui est lié en fait au business. Ok, business ou investissement. Si tu es bon, tu as des résultats là-dessus et que tu as une expertise aussi dans la santé, tu peux aussi avoir une expertise dans les relations, d'accord, relations hommes-femmes, ça c'est super aussi. Tu as une masterclass qui est faite pour toi. Je t'explique exactement comment faire à partir de ton expertise, d'accord, comment tu peux créer des accompagnements, des coachings pour pouvoir permettre, pour pouvoir aider encore mieux tes clients. Que même si jamais tu n'as pas de business aujourd'hui, ok, juste une expertise, ça suffit. Et je te montrerai exactement comment tu peux faire 10 000 euros par mois rapidement. C'est exactement le résultat que mes clients ont eu. Il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois, il y en a qui ont fait 6 en 3 semaines, il y en a qui ont fait 10 en un mois, il y en a qui ont fait plus encore en 3-4 mois. Ok, tu as les témoignages, tu cliques sous le i comme info, tu verras les témoignages de mes clients, les résultats qu'ils ont eu. Donc maintenant, voilà, arrête de dormir. Si jamais tu as une expertise, vas-y, c'est offert. Et tu t'inscris, boum, boum, et tu pourras y assister. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc les gars, maintenant, c'est bien de regarder des vidéos, mais passez à l'action, les gars. Donc tout est en description. Passez à l'action, c'est offert. Donc, je comprends pas en fait. C'est combien de vidéos tu veux regarder comme ça à la suite? À un moment donné, le temps, ça déroule, le temps ça déroule. Hein. Thank you.